Une petite chanson pour tous mes collègues du service public de Viroinval qui ne se déroule pas contrairement à ce qu'on pourrait croire, ou en tout cas contrairement à ce que vous croyez. À la commune de Viroinval, quel beau métier, soit fonctionnaire, soit ouvrier, d'où j'ai toujours ce qu'on a de mieux. Certains nous veulent foireux, bien plus utiles et agréables. Qu'en pensent tous les contribuables? On est présent, on fait les choses bien. Demandez-nous la lune et même les martiens. À l'abri du moindre hic, c'est la devise du service public. Pas rien qu'économique, service travaux. C'est du costaud, il se les roule pas, il se lève tôt. Sur la voirie, sur les chemins, les rois du sécateur en main, battant le pavé, pressant les écoles. Partout sa fourmi, sa bricole, allant jusqu'à ramasser les crasses des gens qui pensent que comme ça leur temps passe. Pourtant leur agenda est plein pour ceux qui imaginent qu'ils ne faisaient rien. Pas très malin, population, c'est pas du bidon. Dès que tu rentres, l'accueil est bonbon. Les dames de l'entrée font les choses bien et t'indiquent direct ton chemin au guichet. Comme au sauna, tu sens que tout le monde s'occupe de toi. Tu viennes de naître, que tu sois migrant. Tu viennes pour ton permis de conduire, que tu partes les pieds devant. T'auras toutes les infos, mais attention, t'es pas au boulot, ni au caboulot. T'es pas au bistrot, mon gars, t'es pas au bistrot. La direction, à fond les ballons, la porte à gauche une fois que tu montes, toujours au four et au moulin, mais juridique, RH, train, train, par avant face aux politiques, collège, conseil, toute la clique, chef d'orchestre, guide de la famille. Elle gère la boîte, elle aime son autonomie. Il ne faut pas une statue, mais faut pas la faire chier non plus. Bien entendu, affaires générales et les cimetières, secrétariat, association, t'es pépère. T'es besoin d'une salle ou d'un caveau, tout le monde te renseigne aussitôt. Tu fous le bordel sur la voie publique, pas arrêter, faut prévenir les flics, gérer les scouts et toutes leurs conneries, et ça y en a, organiser la fête, jamais au tapis. Ici y a toutes les clés, aux excès qui vous feront marrer, et pas pleurer, non pas pleurer, service, finance et des contredanses. Faut pas croire qu'il n'y a qu'à ça qu'ils pensent. Gestion des deniers, directeur financier. Louer des terrains pour cultiver, maintenant faut pas les prendre pour des glands. Ou tenter de frauder en flamant. Blam! Si t'as des kleps, si t'as une piscine, c'est normal que tu raques, que tu craches à la bassine. Tout le monde sous le même pied, principe de la solidarité. Faut pas déconner, cadre de vie et environnement, urbanisme, limite et énergie, aux petits soins pour nos envies. Monter une véranda chez ta voisine, moitié flicaille, moitié écolo, moitié informatique, moitié bobo. Manque un panneau, un casse-vitesse,
Un permis pour ton éolienne, une petite claque sur tes fesses. Pas de nous faire un petit coucou. Stop de faire un petit coucou. Toujours ouvert sauf le vendredi. Après-midi. Après 4 heures, c'est l'apéro, pas après-midi. Et la petite suite, ressources humaines et enseignement. Les deux matières s'occupent des enfants. Ceux qui vont à l'école, aux garderies, et ceux qui bossent pour toi toute leur vie. École de devoirs et pleine de jeux, assurance en tout genre, on ne fait pas mieux. Mettre le bonheur dans toutes les implantations, garder le sourire sans aucune obligation. Et une fois le taf fini, un bon apéro c'est garanti. Et bien servi. Service complet au CPAS. Pouce levé pour nos citoyens en détresse. Personne ne restera sur le carreau. Que tu n'aies pas le sou ni le resto, on se décarcasse et on s'échine. Enfin, elle, tu n'as qu'à faire appel aux copines. Temps de midi, elle manie le whist. C'est pour mieux t'aider à revenir sur la piste. Un petit coup de mou, un petit coup de barre, le CPAS te redémarre. Jamais trop tard. Faut aller les voir. Le CP, le PCS est dans le château. Mais dans le grenier, on n'est jamais trop. Tu comprends plus rien. T'es dans la mouise. Ils vont t'aider maintenant. Tu respires de bons conseils. Un espace numérique. Ton mur mental a besoin d'une brique. Ton affreux de malmène, c'est lui qui mérite une benne. Tes gosses veulent des vacances. Et toi, un prof de danse. Alors sors tes volets. Il n'y a que deux volets d'escalier. Fous les et on fait pas le fainéant. Et bien sûr, on serait rien sans notre service d'entretien. Corps de balai, rapide, efficace, qui nettoie partout quand le virus menace. Comment ça fait chier ce virus, putain. Et ça sent bon, et que c'est frais. Ça court dans tous les sens sans jamais râler. Tout ce petit monde ne vous salue bien et continuera à prendre soin de son prochain. Mais pour ça, un seul hic, faut pas baiser le service public. Tout ce petit monde vous salue bien et continuera à prendre bien soin de son copain. Mais un seul hic, faut pas faire la peau au service public, mais à l'économique.